Allez, je le rejoue, je le troll. Allez, ça part. Allez, ça part. Je continue. Allez, je reviens là. Maintenant, faut que je sois solide. Maintenant, faut que je sois ultra solide. Allez, la solidité du joueur français. Allez, je pousse. Je fais fou G5. J'échange une fois. Je mets le caillou en D2. Je protège tout. Je bloque. Allez, je fais G4. Je le laisse prendre en passant. Je reviens avec le cavalier en G3. Allez, je vais mettre le fou en H3. Je défends tout. Allez, je défends tout, les amis. Ah, fou H3 et dame prend H4, peut-être encore. Je reviens en F2. Fou H3, je le fais. J'échange. Je mets le roi en G2. Je protège tout. H5, je tiens les cases. Oh, je mets la tour en G1 et je repars de l'autre côté avec le roi. Oh, je suis un génie si je fais ça. Oh, je suis un génie si je fais ça. Je suis un génie. Je me barre avec le roi. Je repars de l'autre côté. Oh, c'est exceptionnel ce que je suis en train de faire. C'est extraordinaire. Je repars de l'autre côté. J'échange une fois. Je prends là. Alors peut-être. Et je repars de l'autre côté avec le roi. Attendez, je fais comment? Je mets la tour en G4. Là, je suis un poil dans le dur. Il veut cavalier C3. Ah, si je suis un génie, je fais cavalier B1. Ok, bien, c'est extraordinaire. Et je repars. Merde. Ah, je peux plus trop repartir là. Ah! Ah, je suis vraiment pas bien là tout d'un coup. Non, j'étais pas si mal. Non. Ah, j'ai aucun coup. Ah, j'ai aucun coup. J'ai ça encore. Allez, j'ai encore une chance. Alors peut-être. Alors peut-être. Je suis toujours pas mat. Je suis toujours pas mat. Je résiste. Je résiste. Je pousse. Oh, je suis complètement dans la partie. Je suis dans la partie. Ah, je suis complètement dans la partie. Je suis à deux doigts de gagner.
Je suis à deux... Non ! Je suis à deux doigts. Non, il y a dame 3 à la fin. Oh, j'étais pas loin. J'étais pas loin. J'étais pas loin du tout à la fin. Parce que s'il avait pas les échecs, j'avais un truc. Allez, je refais. Je sens que je peux le faire. Je peux le faire. Allez. Je reviens en E8. Tout est possible. Tout est possible, les amis. Rien n'est infaisable. Allez, je défends, je défends, je défends. Ah, c'est quand même pas un mauvais début, là. C'est pas un mauvais début. Allez, je fais des 5. Y a absolument rien. Je pars de l'autre côté. Allez, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ça, c'est que une qualité. Y a absolument aucun problème. Y a absolument aucun problème, les amis. Cavalier C6, je masquais, prend D4. Ça y est, ça commence. Mais ça sert à rien, ça. Je mets le roi en D8. Parfait. Tout est défendu. Alors, il n'y a absolument aucun problème. Je vais faire A6, et G4. C'est déjà quasiment avantage décisif pour les noirs, ici. Ah, il est dans l'extrêmement dur, l'adversaire. Pièces noires sont magnifiques. Il se défend. Allez, je lui envoie un cavalier en G4 déjà pour commencer. Attention, hein. A6, cavalier A3 et peut-être des cavaliers. Prend D4 déjà. Ah, je vais le terminer. A6. Ça, c'était pas prévu. Ah, ça me freine complètement, ça. Ah, je suis freiné. Ah, ça m'a complètement freiné ce coup. Dans mon élan. Scal qui prend des 4 un peu moins fort tout d'un coup. Ah, c'est un peu moins fort là tout d'un coup. Ah, je vais faire E5. Ah, il y a du jeu encore, il y a du jeu. Ah, j'étais pas loin, je suis pas loin, je suis pas loin. Oh, il y a du jeu de fou. Oh, j'ai le roi qui va venir en F6. Oh, c'est magnifique, j'ai un roi bloqueur. Regardez, regardez le roi. Oh, le roi est exceptionnel. Un échec, il vient pas. Oh, la position, elle est incroyable, là. Oh, il sue, mais un niveau. Regardez ce roi en F6, il est absolument exceptionnel. La tour qui va venir en E8. Oh, le pion C5, C4, ouais. N'en jetez plus. Ah, j'ai le roi bloqueur. Il est très très mal là en face. Ah, dame 3. Joue la finale. C'était une feinte. Ok. Ok, il veut jouer à la finale. On joue la finale. La finale est exceptionnelle. Finale exceptionnelle, cavalier F3. Oh. Je prends. Oh, je mets le fou en B5. Je récupère une qualité. Je le prends. Je prends ici. Oh, j'ai quasiment plus rien de moi. Et regardez mon roi maintenant qui monte à la volée. Allez, je pousse. Il peut plus rien faire. Oh, il est en train de se faire... Oh, je vais lui donner le pauvre pion D5. J'en ai absolument rien à faire, regardez. Je protège. Et je vais tout simplement aller manger ses pions. Des images terribles pour lui. Ah, des images terribles pour l'adversaire.
Comment va-t-il arrêter le pion H? Issu! Issu, Besramen! Je te laisse pas le choper, lui! Comment vas-tu faire? Oh, il veut faire nul! Oh, t'es la honte des échecs! T'es la honte des échecs, frère! Oh, t'es la honte des échecs! Oh, t'es juste la honte des échecs, frère! Allez, je me protège. Allez, je suis là. Allez, c'est bien, je défends tout. Je vais l'écraser. Allez, je te mets un pion en D4. Ça, tu l'as pas vu venir. Et regardez ce roi actif hein, qui défend. Et là, il va faire D4 et regardez ce qui va se passer. Cavalier E4. Et regardez le roi actif. Je vais venir manger le pion en E3. Cavalier E5, roi F4. Menacera de gagner une pièce. Ah, et là, bien sûr. En face, ça commence à suer. Regardez le cavalier qui se déploie en G3. Ah, c'est extraordinaire. Alors maintenant, comment est-ce que je l'écrase? Je repars. Bah, grand roc, ok, je mets une tour en face du roi. Attention, monsieur! Attention! Position extraordinaire. Il décale son cavalier. Là, il y a dame A4. Ça prépare tour prend C6. Oh bah ça va être pris hein. Ça va être pris. Alors là c'est échec déjà. Pour commencer. Ça va te faire les pieds. On va lui faire les pieds. Un échec, deux échecs. Trois échecs. Et je te prends ton pion. Et oui mesdames et messieurs. Et oui, mesdames et messieurs, le roi blanc qui a été actif toute la partie et qui va remonter, ne vous inquiétez pas. Il y repart en attaque. Il repart en attaque à 200%. Alors, il veut faire un échec en C5. C'est pas très discret. Je vais mettre la dame en A5. Parfaitement positionné. Contrôle D2, le fou qui va arriver en C4. C'est exceptionnel. Oh, c'est exceptionnel. L'harmonie est chez les blancs. Regardez la position. Et observez. Oh, il a pas l'air d'avoir une confiance incroyable. Et ça, c'est une tourelle. Et ça explose. Allez, reviens. Allez, reviens, Besramen. Allez, le frérot. Allez le frérot. Bah, je vais faire un fiorchetto de l'autre côté. Allez, je suis le goat des échecs, très clairement. Regardez-moi ça. Il sait plus comment jouer. Oh, il est complètement perdu le frérot. Ah, là-dessus, je voulais jouer F5 moi de base. Je le fais maintenant. Ah, il est complètement perdu. Oh, je bouge. Ah non, je vais me faire mater. Attention quand même, hein. Là je suis un peu dans la merde. Oh, je fais juste roi F8. Oh, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, il a l'air d'être en sueur, hein. Oh, je suis tellement le goat. Ok, aucun souci. Cavalier G8, je remets mes pièces en place. Et je te dégage. Et je vais faire H6, roi H7. Qu'est-ce que tu vas faire? Besramen. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Ok, cavalier A6, tu me donnes des cases, merci. Merci d'avancer tes pions. Merci de pousser.
Ok. C'est quoi ton projet, en fait? Ok. Merci de m'ouvrir le fou. Merci. En fait, c'est ça, la technique. Je m'embête pas. Je laisse faire nimp tout seul. Ok. Là, je fais H6, maintenant. Ok. Zéro problème, dame E7. Je suis très heureux. Je viens en E4 avec mon cheval. Je vais remettre mon rond F7. Ma tour en D8. Il est où le problème? Il est où le problème, Bestramen? Tour HD8, fou F8, A5, je te défonce. Je suis en train de te défoncer, Bestramen. Fou A4. Ok, tu menaces rien. Tour D8. Cavalier D4. Ok. J'ai en H4 avec madame, tu menaces rien. Il veut faire fou C6. Ok, C6. Il veut faire KC6. Allez. Tu veux faire cavalier C6, mais tu vas faire comment? Mince, il y a tour D7 et tu reprends. Ah, c'est pas grave, je fais tour D8, tour D2. Oh, j'en ai strictement rien à foutre, en fait. Exceptionnel. Tu voulais mettre ton fond... Regarde, j'en ai strictement rien à foutre de tes coups, en fait. Merde, ça marche pas du tout. Ah mais j'en ai rien à foutre que ça marche pas en fait. Oh c'est exceptionnel. Oh j'en ai strictement rien à foutre que ça marche pas. Par contre ça c'est un peu relou. Ça c'est un peu relou. Au pire, je lui renvoie une cale. Oh, je lui renvoie une cale! Je lui renvoie une cale dans la gueule! Oh, c'est exceptionnel et je m'extirpe avec le fou. Je lui renvoyais une cale dans sa gueule. Oh, je suis tellement heureux. Je lui en ai renvoyé une dans sa gueule, tout simplement. Pourquoi s'embêter quand tu peux lui renvoyer des cales dans la gueule? En fait, c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils pensent trop, aux cales, en fait. Il suffit juste de les envoyer dans la gueule. Mettre le fou en F8, comme ça, je suis bien sécure. Oh, je vais repasser mon fou en D1. Ça va le faire suer. C'est pas terrible comme coup, quand même. Mais c'est sûr, ça va le faire suer. Non, ça le fait pas suer du tout. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, attendez les amis. On est pas mort. On a encore le cavalier E4 qui fait tout le taf. On est quand même dans le dur. Le problème... c'est que seul le cavalier 4 ne peut pas tout. Seul le cavalier 4 ne peut pas tout. Ah non, là je me fais mater. Non! Non, j'étais pas loin. Allez, on y retourne. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Ah, je suis hyper bien là. Ah, j'ai une position de rêve là. La position exceptionnelle. Je vais faire H3. Oh, je suis facile. Oh, je suis tellement facile là. C'est même abusé d'être aussi facile.
Ah, je suis facile de ouf, le roi va en H2. Il n'y a aucun problème. Regardez. Oh. Bah alors là, vous n'êtes absolument pas prêt à ce qui va se passer, hein. Oh, dame 1, dame G1, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait triper, en fait. Ça me fait triper. Faut que je réussisse à faire un G4 bien senti. Je me repars avec le rang G1. Il prépare des trucs là. Oh mais je lui fais G4. Mais je te fais G4. Oh mais comment t'es mal. Oh mais t'es mal frère. Oh mais t'es complètement foutu. Oh là là frérot. Oh ça me gêne. Oh je te jure ça me gêne frère. Oh t'es tellement mal. Oh, oh mais il est tellement mal. Oh là je suis en train de l'exploser là. Je suis en train de l'exploser. C'est incroyable. Je suis en train de le détruire là. Pion prend, pion prend. Oh il prend même pas le pion. Tellement il est mal. Ah, j'étais en train de le détruire. Je suis en train de le détruire, en fait. Ah, je suis en train de le détruire. Oh, il est complètement détruit, là. Oh, il va imploser, là. Ah, je vais cacher le roi en H1, maintenant. Pouah, c'est tellement bien joué. C'est du fond de cour. Regardez le joueur de fond de cour. Tout est protégé. Je passe le fond E5 devant la structure. Ah, je suis d'une facilité. C'est déconcertant. Ah là, c'est tour G1, roi H1 au prochain. Oh, il est tellement dans le dur. Mais t'es tellement nul, frère. Oh, t'es tellement nul. Oh, ça me fracasse. L'ouverture s'appelle le Rond Claude. Exceptionnel. Mais là, tour G1, roi H1. Ça va être incroyable. J'aurais dû prendre avec l'autre pion, en fait. Mais là, c'est trop incroyable ce que je vais faire. Oh, c'est incroyable. Merde, le pion avance quand même. Puis on avance un peu dangereusement, mais c'est 4 pour l'intercepter avec la dame. Allez, je prends F6 maintenant. Mince, il a pion prend. Ah, j'ai troll. Ah, j'ai troll un petit peu, mais c'est pas grave. Ah non, il y a le cavalier qui peut être en l'air. Oh, mais je prends. Ah, il prend E3. J'avais raté. Je vais mettre la dame en E1. Ah non. Non, 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 non. Pas si proche du but. Oh, je vais faire cavalier H5. Ah non, pas si proche du but. Ah, j'étais proche. Ah, il y a un moment donné, il fallait prendre du pion C. J'aurais pris du pion C, j'aurais gagné. Voilà, par contre...
Ah, par contre, celle-là, j'ai joué une fois de trop l'aller-retour. Alors là, je suis mat direct. Ah, je vais faire cavalier H6, tour G8 et roi H8. Je suis encore dans le game. Je suis encore dans la partie. Pas du tout. Pas du tout. Mais je l'ai fait une fois de trop en fait, l'aller-retour. Ça qui m'a coûté cher. Allez, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Allez. Faut s'accrocher. Il y a encore des choses à faire dans cette partie. Il y a encore de très belles choses à faire. Je reprends le pion, de toute façon, je suis obligé. Pas grave d'échanger. Allez, Yaer. Yaer, les amis. Il joue vraiment mal, hein. Il joue vraiment mal. Il y a absolument R. Oh, je vais prendre comme ça. Et je vais faire C5. J'ai un mur de pion! Oh, j'ai un mur de pion. Ah, j'ai complètement un mur de pion. Ah, c'est ultra fort. En vrai. En vrai, c'est ultra fort. J'ai complètement un mur de pion. C'est complètement ultra fort. C'est monstrueux d'avoir un mur de pion comme ça qui avance. Oh, il peut rien. Oh, le mur de pion est ultra fort. Putain, C4, il a cavalier E4 seul coup. Et si je fais F3, comment il arrête mon pion? Comment t'arrêtes les pions? Le mur de pion! Le mur de pion, les amis! Na. Non, il a encore fou A7. Non, x7, j'ai fou H3, F2, F1, dame. Na 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 na. Ta 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 ta. Si, mais si. Mais si, ma. Mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Na 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 na. Le mur de pion! Ah, il met tellement Gucci. Il rejoue. C'est carrément du cheat ce que je fais. Oh, je vais cacher le roi. Oh, il doit tellement suer. Oh, le roi est caché. Oh, le roi est complètement caché. Oh, c'est terrible pour lui.
Ah, je suis en train de le détruire psychologiquement. Oh, on change pas une équipe qui gagne, on ferme toujours ici. Ok. Je vais choper le fou. Oh, des images terribles pour l'adversaire. Ah, je vais faire A4. Mince, il sauve son fou. C'est pas très grave. Allez, je fais H3. Et je reviens. Allez, je passe mon fou de l'autre côté. Oh, ça me tabasse. Je vais amener mon fou en H2. Ça me tabasse. Oh, c'est exceptionnel d'amener le fou en H2. Le fou est tellement mal placé, mais extraordinaire le fou en H2. Ça me tabasse. C'est absolument rien, il est devant le roi. Oh, je me refais des pions. Oh, ça me bute. Oh, je ramène encore des pièces. Oh, ça me bute. Je ramène des pièces là-bas aussi. Oh, je vais lui bouffer son pion, il le voit. Oh, ça me tabasse, j'ai tout ramené devant mon roi. Ok, il pousse. Je vais attaquer de l'autre côté. Oh, ça me fracasse. J'en ai absolument rien à foutre. J'attaque de l'autre côté. Oh, c'est exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. Oh, c'est absolument exceptionnel, j'en ai absolument rien à foutre. Ok, je contrôle les cases. Ok, je prends comme ça, j'en ai strictement rien à foutre, c'est incroyable. J'échange. Je suis pas loin d'être mat quand même. Je suis quand même pas loin d'être mat, hein. C'est une dingue à quel point je suis pas loin d'être mat. En fait, je sais même pas comment je le suis pas. Mais ok. Je défends tout. Ok. Je défends toutes les cases. Ah, oh, j'en ai strictement rien à foutre, c'est incroyable. Ok, aucun problème. Il veut cavalier F3. Mais est-ce qu'il menacera quelque chose? Oh, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il menace quelque chose? Propose l'échange des dames. Ça me calcine. Ok, accepté. Je vais mettre le fou en E2. Ça me calcine. Et je repars. Ah, je vais repartir avec mon fou en C3. Ah, ça me calcine. J'ai ramené mon fou en H2, la pire case. Ça, c'est peut-être bien joué de sa part. Ça me calcine. Ah, oh, je suis calciné. Ah, oh, ça me calcine, il peut plus arrêter le pion. Ah, oh, ça me calcine. Comment c'est possible? Oh. Oh, mais comment c'est possible? Ah, il rejoue. Ah, c'est extraordinaire. Comment tu peux être aussi claqué au sol, frère? Oh. Ah, mais c'est gênant.
Oh, je remets le fou en F8. Oh, je lui ai donné combien de coups là? C'est au 7ème coup, j'ai toujours pas joué, j'ai mal placé mes pièces. Ok. Ok, il y a R. Ok, tu fais pion prend, cavalier E5, je pars en G8, j'en ai absolument rien à foutre. Je m'en fiche complètement. Du coup, il commence par ça, c'est plutôt malin. Et vu que je suis un troll, je fais H6. Non, H6, c'est trop quand même. Mais tour E8, G6. Bon, après, je peux faire tour E8. Enfin, c'est un peu moins mes positions. Mais ça va. Ça va, il y a R. Il y a R. Un peu moins mon type de position. Mais ça se passe. Et là, le noob pense que je vais faire dame prend D4 alors que c'est cavalier C6 le coup. Parce qu'en fait, lui, il pense qu'on prend des pions en 1. Ah, il est complètement con. Et maintenant, on va jouer contre son mauvais fou. Oh, on va jouer stratégique. Cavalier C8 qui est D6. Excusez-moi, monsieur. C'est une masterclass stratégique. Les noirs sont déjà proches d'être gagnants ici. Désolé de vous l'apprendre. On n'arrivera pas sur la case 6 avec le cheval, monsieur. Et cavalier C8 à 6, cavalier D6. Les noirs ont déjà l'avantage ici, mesdames et messieurs. Ok, si tu veux faire un coup de merde, fais un coup de merde. Je commence quand même par dame E7, je t'attaque même pas ton cavalier tellement il est mal placé, frère. La masterclass est en route. Il vient rejouer la case D5. Certains pensent que c'est un peu gênant. Mais pas moi. Parce que je maîtrise le sacrifice de qualité. Et si un cavalier qui me fait chier, bam, j'envoie une tour dans la gueule. Ah, peut-être pas tout de suite encore, on va encore un peu attendre. Ouais, bon là, c'est petit joueur. Essaye d'attaquer des pions en 1. Bien évidemment, contré sans aucun problème. Tour qui revient en F8. Aucun souci. Un peu derrière autant, c'est la seule inquiétude ici. H6 pour lui faire croire que sur pion prend, je fais H prend alors que je fais F prend. Petite feinte du facteur. Et là, il sait plus quoi faire, il est perdu. Oh, je reviens en A5 juste pour le troll, je me fous de sa gueule. Il sait plus quoi faire. Il revient avec son cavalier. Cavalier D4, attention! 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 Attention la dadame! Elle va où la dadame? Elle va où la dadame? Elle va où? Oh, elle a plus de cases! Oh, elle a plus de cases la dadame! Eh oui! Et je vais même te faire tour prendre pour te troll jusqu'au bout! Non. Je rigole, je te prends ta dadame! Et je te détruis. Ah, il a encore un peu de jeu quand même. Tu le prends le foufou? Non, il le voit. Il voit les tactiques hein, quand même, à vrai dire. Non! J'ai oublié qu'il avait pas pris le cavalier. Non! J'ai oublié qu'il avait pas pris le cavalier. J'avais cavalier H3, c'était terminé.
J'ai inversé les coups. Ah, c'est trop, j'ai juste inversé les coups. Et il va faire nul du coup. Ah, c'est gênant. Ah, c'est gênant. Ah, mais à vrai dire, j'étais pas gagnant. À vrai dire, c'est pas gagnant. Incroyable. Ok, il prend F2, ça va pas. Incroyable. En fait, j'avais pas mieux que nul. Il rejoue pas. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la Hesse.